Donc la Brotherhood de chez SP qui va être une fixation déjà milieu de gamme haut de gamme parce qu'on a une embase qui va être complètement en aluminium pour avoir énormément de précision au niveau de son ride pour pas avoir de torsion au niveau des courbes, au niveau de la prise de carte et une fixation qui a un gros avantage au niveau de l'ouverture. Donc une fixe qui s'ouvre au niveau de l'appui back, donc énormément de facilité pour chausser, puis une ouverture du strap haut qui s'ouvre automatiquement. Donc en plus de facilité contrairement à d'autres marques. Donc pour chausser, ça se fait en deux mouvements. On monte le spoiler d'abord, on rabat la gâchette et le strap joue, on le rabat pour plus de sécurité. Alors un point aussi important au niveau de cette fixe SP, c'est le câble qu'on voit ici et qui se reprend vraiment, le point d'ancrage est vraiment au milieu de la fixe elle-même, ce qui fait qu'en cas d'appui arrière, d'appui back, on le voit vraiment, le câble se tend et la reprise des efforts est vraiment faite sur la fixation, l'avant de la fixation, ce qui donne effectivement une transmission de la puissance au niveau de la planche vraiment directe. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment rigide et qui augmente énormément la précision du contrôle de la planche en appui backside. Donc l'avantage de la fixation Brotherhood de chez SP, c'est l'ouverture du spoiler pour chausser très facilement car le strap du haut s'ouvre automatiquement dès qu'on baisse le spoiler. Donc une facilité pour chausser, puis pour enlever le pied. Mais pour partir, pour faire son ride correctement, se fait en deux mouvements, donc la fermeture du spoiler et du strap pour aider tout en sécurité.